Salut, aujourd'hui je vais te montrer mon build dextérité x double faux. Ces deux faux se scalent avec la dextérité et la foi. Donc c'est très puissant et c'est très stylé. En première faux, j'ai la faux de la nuit. Je vais vous montrer la localisation de ces faux, hein, bien entendu. Et deuxième faux, faux ailé, les deux en plus 9. J'attends pour les monter en plus 10. De toute façon, je peux que en monter une pour le moment. Avec la faux de la nuit, je fais 644 dégâts et la faux ailé 657. Mais après, ça dépend le talisman que j'ai mis aussi. Alors au moment de record, j'étais niveau 122, 40 en vigueur, 15 en esprit, 23 en endurance, 21 en force, 45 en dextérité, intelligence 7 x 40, ésotérisme 15. C'est un peu le bordel dans les points de les statistiques, hein, parce que c'est ma première run. La première run, c'est toujours un peu la découverte. Je mets la faux de la nuit en main droite parce que voilà, ça fait des disques de lumière, c'est super beau et ça fait très mal, je trouve. Et ça utilise vraiment très peu de magie. Et j'attaque au corps à corps avec la petite gâchette de gauche, LB ou L1 sur PS4, PS5, pour attaquer avec les deux faux. Donc ça fait énormément de dégâts. C'est assez lent, mais ça tape très très fort. Ça stun l'ennemi souvent. Et ça met des swings. Donc ça tape tout autour de toi. C'est très bien contre un groupe d'ennemis. Ah oui, les deux faux infligent des dégâts sacrés et infligent du saignement. Qu'est-ce que c'est fort. Et en plus, ça va loin cette attaque spéciale, hein. Et l'attaque spéciale de la faux ailée, c'est deux coups, elle s'envole en l'air et c'est assez rapide à déclencher et ça fait beaucoup beaucoup de dégâts là. Pour récupérer cette très jolie faux, ça va être dans la zone de droite, à droite de la première zone, la zone rouge, c'est ici dans le marais. Alors moi j'ai ce feu là parce que j'ai battu un boss, je vous conseille de le battre aussi hein, comme ça, parce qu'on en aura besoin dans ma prochaine vidéo. Donc on va là-bas les amis et on va farm des ennemis comme l'armure que je porte. Et comme c'est du farm d'ennemis, on va pouvoir utiliser une patte de corbeau, je sais plus vraiment le nom exact, pour augmenter notre taux de drop bien entendu. Donc c'est ces ennemis là qu'il va falloir tuer, on va faire une petite ronde de ces trois ennemis. Et retourner au site de grâce et recommencer, hein, c'est du farm hein, bien entendu. Attendez, on recommence du début, voilà, marée d'ivoine, on commence au site de grâce, on part vers l'ouest, hein, c'est marqué sur la boussole, je viens de voir. Il y en a un premier là, et alors faut bien repérer, c'est ceux qui ont une faux, cette faux là, en rond, c'est eux qu'il faut tuer, il va y en avoir 3 à tuer. Ils sont à 50 mètres d'écart chacun, on va faire une espèce d'arc de cercle, on commence de droite, on part vers la gauche et on revient au feu juste derrière. Franchement ça prend pas beaucoup de temps, ça dépend des dégâts que vous faites hein, bien entendu, et comment vous les gérez. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas bien record, j'étais en train de tester ma nouvelle arme. Mais vous leur foncez dessus à cheval, hein, parce que sinon vous êtes putréfié, la putréfaction c'est le truc le plus horrible du jeu, hein, pire que le poison que tout. Et l'autre, le troisième, il est au fond là-bas. Donc voilà, vous les tuez les trois, vous pétez une patte de corbeau. Alors lui là qui vient d'apparaître, lui il a une lance. J'ai réussi à la dropper la lance aussi, j'ai pas regardé si c'était bien. Donc voilà, vous tuez encore celui qui est au fond et vous faites des tours, vous faites des tours. Pour la faux ailée, la deuxième faux qui est en main gauche pour moi en tout cas, c'est dans l'île du sud de la première zone, hein, qui ressemble à l'Australie. Ça va être là, dans les ruines du Val aux Tombes. Tout simplement un coffre, hein, deux ennemis qui gardent le coffre, c'est tout, juste là, en sous-sol. Et puis la faux ailée qui est très... je trouve que c'est l'arme la plus puissante qu'on trouve au début. Avec peut-être la dague qui fait du saignement. Faudra voir en PVP ça. Mais voilà, au fond, il y a le coffre avec la faux ailée. J'ai commencé le jeu avec ça. En mettant tous mes points en foi et tout. Après, j'avais plus de vie. Enfin bref, deux très bonnes faux. Les faux, c'est très bien quand même parce que ça clean bien en fait. Ça clean bien. L'attaque sautée avec les deux faux, c'est très fort parce que ça attaque avec les deux faux et c'est très rapide. Donc si vous voulez optimiser, dans ma vidéo des armures, il y a une armure un petit peu à la Bloodborne des... plume de corbeau sur le dos. Son passif, cette armure, c'est d'augmenter les dégâts sautés. Bon voilà, petite vidéo aujourd'hui. J'avoue les gars, je vous avoue très franchement, je suis crevé, j'ai trop joué Elden Ring. J'ai beaucoup trop joué Elden Ring, c'était une drogue. J'ai plus la notion du temps. J'ai beaucoup trop tué Elden Ring. En plus, ma prochaine vidéo, c'est vraiment une grosse quête avec une zone optionnelle de ouf, avec un donjon majeur. Enfin bref. Faut que je reprenne des forces les gars. Pas très inspiré pour les miniatures et tout, les tutos. Je voulais pas la faire la vidéo des runes là. Mais vas-y, je l'ai faite. Vas-y ma gueule, passe une bonne soirée. Je joue pas trop Elden Ring frère. Je te jure, vas-y, abonne-toi à la chaîne, like, enfin fais ce que tu veux ma gueule. Bonne soirée.